Pour faire face à l'épidémie de coronavirus, une idée circule en ce moment à Paris, celle du traçage des clients dans les bars et les restaurants. Principe de la mesure, donner son nom et son adresse avant de s'installer pour pouvoir prévenir ceux qui ont été en contact avec un malade. Ça passe très mal du côté des professionnels du secteur. Arnaud Lafargue est directeur de la branche café-brasserie de l'UMI des Bouches-du-Rhône. C'est quoi la cohésion des choses? Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Vous êtes chez nous, vous rentrez, on vous fait faire une fiche, vous sortez, vous prenez le bus sur le trottoir et personne ne vous fait faire de fiche. Et s'il faut remplir une fiche pour boire un café, ça ne peut pas quand même pas être très très simple. Parce qu'après, il faut avoir la collaboration de nos clients. Hein. C'est eux finalement les décideurs. Hein. Nous, on leur propose, mais si le gars ne veut pas remplir, qu'est-ce qu'on lui dit? Monsieur, partez, quittez le lieu. On ne peut pas se permettre d'être sectaire sur certains comportements.